يمسليدن تمسليدين إذا غادي تلنسي المكان يمسنين تمسنين إذا غادي تودين أزول فلاون نصف يسوان سلامة غو كنيغ ورا ذمعة دقوطاس يدوان رتيلين يدنا إيوا الساقي أحزب يرى القدرة ما كان نمسغ تنمية للدور تتغال دغرون لو أنا قيم ساقي لك دكتور نعيمة محل إيوا كان دن مسلاي غفيون وطن إيك تغنى طاس إكمدان دا شو تتسبي ويني ناس نسيدي تاسم كي نزمر أنخدم إيوا كان أثن داوية وقيم تسعر عرف نغلى بنموني وزر غرام كاس نسميس قدايليت معنى سمازي غفيس تسعر عرف إيهي سرما غدا كناد سفايدين ومسعى إستقسيا الزمرم أيثني داروم دا جيد بوني ثان إيوا كان أدنف كثير ريت في العسل ماشي مكيني مشا الدكتور نعيمة محل نتات أرادي في كثير ريت إي سقسين الون أزول نعيمة أنسو في السم أهلا سونيا مستخاف الأوان مستخاف في رادي سلان أزول قلع غنو غالدي في كلت النظام فلا دونك تساقينا غد نهضر سلطي دكي لها الحال سلغن دكني واتا نعم سير ان روتور الو نعم ام تسلغ مسلي سير ان روتور دونك هو لا سوال ميل لا بونس سي سي تير ان روتور كي يونج فريمون راس كان سرابل بيتيت اي دعوضه سي غير كسكن لي كوتور مساج لي كوتور سي نا نكوني دقي يقرز ودي تغال واش ما كيمس في دنس نم دكني لقيت حال اوكي الو I see. Je pense un peu mieux. C'est qu'il y a de la barre à les pneumonies. C'est là que je suis quand même très bien. Mais quand ça arrive, qu'est-ce que le Omar Kerjai, c'est ce que j'ai dit le dictionnaire. D'accord. Ok. Alors les infections, les poumons, bien ce qu'on appelle les pneumonies, c'est une infection, c'est dans le poumon. C'est d'accord, une infection. Il y a un germe. Je veux dire le poumon. Le germe il peut être un virus, par exemple les temps Covid actuellement, des choses c'est une pneumonie de l'intérieur, les dégâts ils crèvent. Il y a les bactéries, il y a certains bactéries. Les bactéries. D'accord, donc les bactéries, il y a aussi d'autres, ce qu'on appelle les champignons, les parasites. Alors, pour résumer un peu, maintenant, une pneumonie, c'est comme maintenant une angine. Donc, une infection, elle est due à un germe. La pneumonie, tout ça, les poumons, l'infection, c'est le microbe d'amyrone, c'est les mésamygdales, pour dire l'angine. Donc, c'est le même principe. Donc, la pneumonie, c'est une, en réalité, le poumon, c'est des alvéoles. On respire avec les alvéoles. Les alvéoles, en état normal, ils sont remplis d'air. Contre la pneumonie, sont remplis de pus. L'infection, donc, il y a une réaction inflammatoire, on a un stroke, c'est comme une infection aiguë. Dans son île, on se rappelle, parce que j'ai un route, et même si ça les écouteurs, c'est la même chose. Ah oui, il y a une réaction. انزما قلي قاعده الصوت نغلى خاطر كان سريت ديال الراديو زي غير ديريكت ديال الراديو ميم طون تليدنا ف السلام عليكم ني غادي قاعد تورا اي تورا قاعده الصوت اسبير سيرا بيان تورا خير انا اوكي كمل اولي ميهم دونك نيموني سي اون انفيكسيون سي نكين C'est une infection qui descend dans les alvéoles. Donc, les alvéoles, qui dans l'état normal, il y a de l'abdomen, mais il y a un sol. Donc, il y a une partie du poumon qui ne respire pas normal, ce qui fait qu'on aura des conséquences, bien sûr sur le corps humain, en fonction, je sais pas si elle est tendue, on fait en fonction aussi, il va venir, l'état, il va venir. Alors, les cousines, c'est soit c'est des virus, soit des bactéries, soit des champignons. Il s'agit de l'ennemi, c'est comme l'infection Covid, voilà, c'est la cause la plus fréquente de pneumonie, de l'ouakti, de l'ennemi, voilà.
les bactéries, c'est comme le germe plus fréquent. D'autres germes, il y en a un peu plus, c'est un peu spécialisé, les champignons. Bon, il faut savoir une chose, que les pneumocoques, c'est quelque chose qui est très fréquent, à cause de l'indice. La mortalité, alors aussi, je pense que le problème d'Aran, c'est quelque chose d'élevé. C'est la première cause de mortalité, la tuberculose, dans les pays développés. C'est la première cause de mortalité chez l'enfant moins de 5 ans, malheureusement. Donc, 15% est universel. نعم La cause la plus fréquente, la réanimation par infection, c'est à 40%. Donc, il y a la réanimation, il y a les pneumopathies, la pneumopathie. Maintenant, tu dis, par exemple, dans 3100 Mandela, c'est une pneumopathie. C'est des complications, tu as rentré, du coup, j'ai l'intention de la réanimation par un autre problème. Il y a tout la tragédie. Donc, on développe des infections. نتفق اشو غير تولا بزيون بعد يخدم البنيوباتي وي غير يخدم عليه البنيوباتي اتنو غير توجور يفو سبا غير البنيوباتي زمان تخدم دي تيجي ايمينو كومبيتون صافي دير كوا ايمينو كومبيتون صافي دير تان حتى لهبي صافي لا ريفي كوا تي بيتنا انفيكسيون اورينير سي كومي انفيكسيون انجي زمان تخدم الكثر بديك البنيوموني دا شوزن سي دي جون ايمينو ديبريمي ان بو تفضل لي مينو ديبريسيون كي داش لي مينو ديبريسيون سي ناس القص لا لا ديفونس العبد ديال الكور دون سكا لا بيان سور اون كوين تعيشي لي جير تعيشي دي لا ناتور ما تنقص با ديفونس تطلب الفلانه باسكو الكور لنا اي لي طول طون اون ايتا دو ديفونس ديفونس بور كلينيكال انفيكسيون الى اذا دقينا كي ستون ابسوليتي سون ستوب ام ستوب لي مينيتي نت دي كوز لوكال داخل البومون تدخل باغ اكزومبل يوني سعان لي برونشيس بزيد يوني سعان لاز يوني سعان لا بيبيتيون دونك داخل البوموينس ليمينيتي ستوب شوية لقينا خدمة لي بنوموني تدخل لي كوز نيرون نهضر تقلس بيان داير سوا الماد ميم كيضطر الكتابة لا سيجاريت تخدم لي زانفيكسيون خدم لي زانفيكسيون عطا سويت كيفن شراب عطا لي زانفيكسيون شباب سوا البلان لوكال موشنس ديجا سي ان اندروا لي بلان تجيغ تسوي دي شومون ابري كوني افورس كون اون اينا لي شو لي جامي دي فيتمن بار فوا تراكي على فيتمن هذا البومو بتي تا بتي بتي تا بتي سهلا شي لا لعبه دي ساعه الغفلي دونك فينا ماشي من قروزي وزي ساعه اون امبورطون وكينا نخدم لي زانفيكسيون اطفا با لي سيش بور مرا من نابا امرا من لي كريم القرا غليين دكوسو تنخيمات سوسيفون خدمه لي فينوموني خاطر سونالا tout ça c'est un mécanisme de défense ça quoi il va je te dis à dire une île d'oxygène à cette dissoufa donc tout ça on a alors c'est pas la stase la stase et la stagnation des cratères donc on a venu à dire ça une île de pression locale c'est les gens diabétiques qui disent leur donner des infections d'ailleurs maladie que nous avons montré qu'on a pour les pneumonies parce que c'est qui est de notre sujet normal et sain من تحوم يسدن تحوم تسدن باغ اكزومبل تطفس من السكر تطفس من الضب كل ما يلو تاعنا راه باغ اكزومبل سيزون سخينا اي شو راه يخدم الانفيكسيون هاكي سولا يا بوك ديابيت كل شي تنفع تنسى عن ديابيت سي با اون بروفوكاتي دايور لا راديو البومو برسك تاني اكزامبل سيستيماتيك ما تصاليوني ساعة فريمون ان ديزيكيليبر سيميك سي كان نعيمة ولا شوغيني فدوكي دا طانيك بوني يدير يرحم ربي نغلا pas les détails du pneumopathie. C'est ça, mais là c'est pneumopathie, oui, ça tue vraiment sur tous les sujets de Mkolandilama. La première cause de mortalité, c'est la première. Voilà, ça veut tout dire. C'est plein de dépressions, la cheville, le sida. Oui, c'est malade quand même des infections à des germes opportunistes. Je m'en crois, des germes, c'est un peu plus difficile. L'abdomen normal, c'est que j'ai des germes ici. Ah, c'est trop de tuberculose, c'est une infection aussi, le poumon. Il y a. Je dis, c'est une attaque. De le diabète, il dit, c'est une pneumonie, non, de la pneumonie, dit, c'est une diabète. Tout ça, c'est. Oui, qu'est-ce que c'est?
logiquement, l'avenir est l'acte squat. Donc, il est un peu squat déséquilibré parce qu'il est dans les hadjas. Un diabétique équilibré, c'est un diabétique qui a le risque d'avoir des infections. Un diabète déséquilibré, il m'a dit même l'infection. L'infection, elle déséquilibre le diabète. Donc, c'est un cercle vicieux. Oui, qu'est-ce que vous Donc, la vitamine, on met en général, c'est le diabète qui est l'infection parce que le diabétique déséquilibré, il a une immunité affaiblie par rapport à un diabétique équilibré par rapport à une autre personne au légère. C'est une insuffisance rénale, mais il y a des infections, pas bien, ou c'est un facteur de risque, c'est les infections. Le cancer, c'est les infections. La transmission de notre toi avec l'infection du petit se passe par exemple des voies aériennes supérieures par exemple les alcools, les tabagies et tout, soit pour la vésicule. Comme un point de départ, cette infection, il y a un germe, la bactérie, par voisinage, directement par voisinage, il y aura un sepsis, il y aura un autre, soit des deux foyers infectieux, ou bien trois. Il y a une infection urinaire en plus d'une infection pulmonaire. Bon. L'infection est une maladie. En fait, vous connaissez les scores, on a des scores en fonction du score ni parce que premièrement, à l'hospitalisation de la mort, il y a une adresse à la sauteur. L'hospitalisation dans un service normal, la machine ici, l'ingénieur local, c'est une dans la réanimation. Un score qui est simple, qui est ce qu'on appelle CRB65. C'est confusion. Mais là, le patient n'est pas exemple de pneumopathie, il est confus. Puis ça veut dire que ça a les propos incohérents qui disent n'importe quoi. Il trosse la conscience, par rapport à moi. RB, c'est la respiration, mais là, par exemple, il respire rapidement. B, c'est le blood, c'est la tension artérielle. La tension artérielle, c'est les basses. Parce que ma sorte de tension artérielle sauve, donc c'est un signe, peut-être l'avenir de mes septicémies. Septicémie, c'est un signe de gravité aussi. CRB 65. 65, l'âge supérieur à 65 ans. Là, 65 ans, il faut être moins deux fois qu'un élève, il y a d'autres scores avec mes spécialités, c'est un standard, un plus 1 égale 2 pour savoir ce que mon élève est juste à faire. Le premier qui est arrivé, là, par exemple, il y a un exemple d'un généraliste dans un cabinet médical, et ça a montré, il a ce qu'il a confirmé, la radio, c'est une pneumonie, la pneumonie, il a donné la radio, il se doute entre est-ce qu'il le traite ou pas, parce que beaucoup de pneumopathies, c'est le crâne, donc, simple parfois, tu vois le moment où il est là, il respire calmement là, ou tu peux faire le moment où il met ça, il va être pas fier. Parce que c'est un 42 fièvre, c'est tout le monde qui hyperventre. Voilà. C'est tout le monde, il rentre vraiment la fièvre. Tiens, voilà. Tiens, la saturation en oxygène. La saturation en oxygène, tu vas le faire avec Covid, et je pense que c'est quoi? C'est justement, est-ce qu'il se rend bête, mais en fait, la douleur de la pneumonie, est-ce qu'il se rend bête, mais si tu te dis la différence n'a pas le fait, il y a la pneumonie, le coup de Covid-19. On bête, mais j'ai tort. C'est ça, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. En fait, le Covid, il cause une pneumonie. Bien sûr, il y a des pneumonies, mais des causes virales. Virales, c'est comme Covid, c'est comme une grippe simple annuelle, six ans, il y a des bleus. Les bactéries, voilà. Donc, tout ce que j'ai dit, c'est qui dit Covid. Voilà. Alors, donc, tu vois le bambourinif, la saturation. La saturation, mais là, il sature, mais en général, on est exigeant. Mais là, si j'ai qui guine bien, après, il faut avoir un bon saturomètre, il y a aussi un problème technique. Donc, la saturation chez un sujet jeune, on exige au moins, c'est pas à 95%. Un sujet, c'est un BPCO, on a des nœuds, il savent les lèvres pour moi, même ça à 92%, là, déjà, on est bien. La saturation, elle reflète le produit dans le sang.
نسا اوتر شوز كون ديال بيسون سي كتقرا البيض راه هو غير لي مي تيزي وزوج مع عندنا في الجزائر اون جينيرال سي خدمة ديال لا ريانيماسيون سي با دوني اتولمون دو لو فير دونك استخدم مود لي جاز دي طوب سا بوا بيو دو شحال وقت كتب سي بلان دون لو بيسون سيس ان زار اسكو مود كي لي دون زالي تا كريتيك مع مع عندنا لي غال سخر خاطر توجور لاريير بونس تاع كويس لي ميديسان حتى مو كوكسيك لا بنيمونيا شوز تو غيت Une seconde est une aggravation rapide. C'est ce qui se voit malheureusement des cours vite. Peut-être que ce soit pas morélite, il est bien. Même quand il désature, à partir de la saturation, il est 80%, il est bien. Tout d'un coup, c'est pour ça qu'il était bien, il sort bien et tout, tout d'un coup, il s'est aggravé. Bon, c'est ce qui, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les happy hypoxémia. Okay. Chez les cours c'est que c'est des gens heureux alors que le taux d'oxygène, ils ont l'air d'être heureux alors que le taux d'oxygène est très bas dans le sol. Il est exclure. Il n'y a pas fait de mitzvah, nous consultons jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Voilà. Si, docteur Mahal, d'ajouter la différence, d'ajouter la pneumonie, la bronchopneumonie. Alors, la bronchopneumonie et la pneumonie. La pneumonie, en général, sert des alvéoles et qui tournent le pus. La bronchopneumonie sert même les branches, les petites branches tournent le pus. La valeur enceinte, diagnostic. Le traitement, c'est la même chose. Tout simplement, c'est une définition beaucoup plus radiologique. C'est beaucoup plus, c'est de la radiologie, et là, la différence, c'est soit les symptômes bronchopneumonie. Après, je pense que pour quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le domaine, c'est l'équivalent de la même chose. On va être, nous connaissons les maladies des tourines. Nous connaissons les tourines, nous connaissons les tourines, nous connaissons les tourines, nous connaissons les tourines, nous connaissons les tourines. Les tourines, c'est très vaste. Mais là, il y a un poumon blanc, il a deux significations. Soit c'est une pleurésie, soit c'est un poumon de nos alvéoles qui chante d'amen. Après, malheureusement, le poumon, c'est aussi un organe un peu victime, parce que c'est un petit drôle, donc même s'il y a un problème cardiaque, il devient rapidement du poumon qui chante d'amen, parce que c'est tout à fait normal, il est surchargé. Le cœur existe des problèmes de surcharge, donc le poumon il est surchargé. Donc beaucoup de quoi. Mais aussi, l'un des infections va se faire sur le domaine. Après, un ménage ici vaste, mais en réalité, quand il y a une infection, qui va se dire. Parce que dans le cœur, dans la cardiopathie, c'est de la même idée. Mais dans les infections, c'est en général, c'est une infection, il y a une réaction inflammatoire du puits dans les poumons. Donc là, juste, il faudra chez le médecin, par exemple, le généraliste, dans un cabinet, je l'ai dit ça. Oui, il y a un mais là, en général, il y a deux facteurs. Il y a dépassé 6 ans, il y a une autre maladie associée, par exemple le diabète, l'insuffisance rénale. Normalement, c'est plus de deux facteurs, c'est une indication d'hospitalisation. Même si il y a un moment donné, ben, il y a des biens. Je suis rare parce que, en fait, les gens, ils ont des coups à la Guinée. Le score de mortalité. Plus tu as de facteurs de risque, plus c'est malheureusement une malchance de que ça s'aggrave et que ça s'aggrave. La soirée après, vers l'été, vers 6 jours en réanimation. Aussi, autre chose. Tiens, par exemple, la confusion, mais là, parce que c'est un signe de gravité, la confusion. C'est aussi l'ingestion d'antiplaques, des médicaments, par exemple, parfois immunodépresseurs, les médicaments, notamment les maladies de système, du corticoïde et tout, c'est un facteur de risque aussi. Une infection, les immunosuppresseurs, c'est un facteur de risque d'une infection et c'est des patients à surveiller. Parce que dans l'immunité, la défense du corps humain, elle est affaiblie, elle est diminuée par rapport à un sujet normal, donc il risque de faire des formes graves. Les symptômes, c'est vrai de mener un bien c'est une pneumonie. Premièrement, il n'y a pas grande différence entre par exemple, des nerfs et une angine. Le chibot, je ne veux pas dire une angine, mais une infection. Le premier symptôme, c'est la fièvre. La fièvre, en général, c'est un signe aussi de lutte. Les gens, il y a des gens qui ont des pneumonies sans avoir de la fièvre. C'est un diabétique déséquilibré, tellement le corps ainsi ne se défend pas très très bien. Donc, il y a la fièvre. Un sujet âgé, qui dénutrit beaucoup plus et tout, redemène à la fièvre. Mais il y a une infection. En général, le premier symptôme, c'est la première chose à contrôler après. Mais s'il répond aux antibiotiques, c'est la disparition de la fièvre. On est très exigeant. Et les pneumonies, il y a 48 heures, 62 heures maximum sous antibiotiques, alors que la fièvre a
تروح على الرافيا وحوس بزاف عين يعني نوت انفيكسيون تاع نوت اوكيان تي شونج دونتيبيوتيك ديام موات سيمبتوم ريسبيراتوار زعما تصا باغ اكزومبل اون جينيرال سوسوت سوسوت اقراح تحس ما تسوسوت توقر حوض لي كراشا تفوق لي كراشا يدي الى قلع عندي خمله ديفيرونس انتر اسك تالين سو سوا دال نحت صوب السفلى كي دي سي فا وي صوب السفلى انتر انفيكسيون سينيزال زعما دينا الانسولين il y a une infection pulmonaire donc elle peut être cléante sous sous donc ce qu'on appelle voir une fièvre avec une symptomatologie pulmonaire et respiratoire après en général mais tu bosses humain parce qu'il sort les symptômes qui sont plus bronchite la cause la plus fréquente des infections bronchopulmonaires c'est les bronchites la bronchite c'est virale 90% des virus qui nous attaquent ne sont jamais pas en traitement donc si le temps qui fait la différence ou pas humain c'est pas grave ben avec la vapeur les nerfs sont plus inquiétants la PFL la pneumonie la plus fréquente chez un sujet immunocompétent ce qu'on appelle la pneumonie franche paupière aiguë si tu sors malgré qu'il décrit le patient et d'ailleurs ce qu'on appelle un cours de pneumonie dans un ciel serein le patient il décrit très bien sa symptomatologie j'étais bien évolué après le bat me dit tu veux dire que la vagina extérieure il va décrire il va décrire la radio Wigina beaucoup plus ouais sur le cas où là avec le travail des gymnases on va mieux consulter plus qu'un sujet ça inquiète une fièvre il y a des choses là quand les gens peuvent venir des maïs qui est antibiotique ça a des trucs les pulmonies tellement c'est fréquent c'est très bien codifié les gens la tablette ça ne va pas être de référence ils ont quatre choses à faire de chaque job Wigina très très bien codifié est-ce qu'un pneumonie est sentable dans le monde par voyou? Oui, non, mais il y a une excuse que ni voyou? Dépend de la cousine. Il y a une bactérie. En général, les bactéries sont dans la terre. Sauf si elle est par exemple, sauf si elle est les infections, les extras, les germes atypiques, sont dans la terre. C'est une. C'est un de la grippe, sont pas. دائماً بدنا سبب إنه إمبنومونية كوفيد سنتاب إمبنومونية فيرال فيروس سنتاب إمبنومونية بكتيريا فاكس على مستوى البنوموكوك الجيوم هذا سنتاب يريون ده ليجيون ليجيون لاس إنفكتيون في أبتسس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 س
le protéger aussi. نعم Directement. Voilà, donc on les sensibilise. Donc, je pense qu'il y a une minimum de température. Ce n'est pas que je vais vous expliquer de même. Oui, je vais vous expliquer de même. Je vais vous expliquer de même. Je vais vous expliquer de même. Mais les abdominaux ou les aussi l'obésité, c'est un facteur de risque d'infection, que ce soit de Covid et de gravité de l'infection. Alors, donc, la structure de l'antibiotique, c'est une poignée cystidienne. Soit ça répond, en général, immunocompétent, même le sujet âgé, c'est bien. Il y a l'antibiotique et c'est bon. Sauf que la tirée légère, un peu particulière, ça rentre parfois par la chignon, parfois par la semaine, mais en moyenne, c'est 7 jours. Mais le revenu des 2 jours, il se sent pas bien. Y a. Bon, l'aïanisme, il s'est dû à l'infection, à la fatigue. Mais il y a un peu de l'orchidat, ou la déguine, mais il se trouve bien, il ne s'aggrave pas. Il pose aussi de l'antibiotique. En fait, ça a 2 familles d'antibiotiques. C'est-à-dire, le premier conduit aux fonctions. Un revenu, il se dérouille, qui venait de la littérature, c'est une salle RPS, l'RPS, c'est une salle RPS. Est-ce que je m'en parle combien d'amoxicilline à cette la pulanique? Voilà, c'est une la machine. Quand tu regardes la manière dont tu te dis, c'est un complément pratique. Avec l'amoxicilline, ce qu'on a fait d'un simple médicament. C'est ça. Parce que le germe le plus incriminé, c'est le pneumocoque. Donc, l'amoxicilline sensible, elle agit sur le pneumocoque. Du coup. Mais il y a un moment où il se trouve. نعم ثاني مات ميت فهم ضايا جين كيني يي وتحقرغ لاموكسيسيلين قرغ سعني دلونجي نسعيغ سعني دايا جين دونك لاموكسيسيلين تداوي لابنموني وسي تداوي لابنموني دوتان بلس تداوي لابنموني سي البرومي تريتمون داير ميم ما تخدم لاسيت لوغمونتي سي كوا لوغمونتي سي اون اسوسياسيون هي لاموكسيسيلين اي بدا نوتر انتيبيوتيك لاسيت كلافيلانيك L'acide clavulanique qui donne la digestion, les problèmes digestifs, il est mal toléré. Moi, personnellement, je ne tolère pas l'augmentaire. Mais si l'amoxicilline à la base, deux, il a l'arlinus. Alors, mais le modèle, il s'est d'avoir d'embrine, il va là, tu dis, ça ou l'être, une grosse pneumopathie, soit la radio oblique, la pneumopathie minus. Elle n'est pas localisée, elle est un peu plus diffuse, interstitielle. À un moment donné, il est la diarrhée, car il y a un bosé, car il y a un bami, surtout ça. D'aguinan, c'est comme un autre antibiotique, ce qu'on appelle les macrolides. Par exemple, l'oxyde, je me rappelle, bon, c'est des macrolides de toute manière. Mais parfois, mais on les associe les deux. C'est ce qu'ils ont essayé aussi pour avoir un meilleur spectre d'action. À un moment donné, il y a des erreurs. Et l'iné, ça, ça voulait toujours, il a réédité. Mais j'ai dit, mais ça, ça voulait parce qu'il faut savoir une chose. Mais il est préféré à la température, c'est une chose, ça voulait. Il suffit de dire, je me suis dit, ça voulait, il y a juste ramené au sommeil. Ça va, que ça voulait. Ça voulait, en fait, il y a deux spécifications. Ça voulait soit que l'iné, il y a un mille 38 en général. Soit faire les frissons, ou si mal traitement les frissons ni tergigat, c'est aussi un signe d'une infection. C'est quoi le sarodar à Taoula, mais c'est l'infection, c'est les frissons. Oui, c'est un signe aussi équivalent. Mais c'est une décharge. Il faut, donc, comme c'est une décharge, il faut c'est une décharge de bactéries. Donc, d'ailleurs, les patients, ils ont culture. Ils ont un germe d'arrivée. Si ça a une valeur, tu as une infection qui est encore active. Il faut vérifier d'abord est-ce que c'est vrai, est-ce que ça a fait ou là, deuxièmement, il faut vérifier est-ce que ça a du vomissement. Parce que Mélène souhaite voir, c'est un rétit d'appareil, donc c'est vrai. Hein? D'ailleurs, ça a du vomissement aussi, c'est un signe de. Il faut les hospitaliser.
بشكل يقعد تفرض دواء اونيفي بليز انجيكسيون فيريفي ممكن ما يزيد غير واحد بس باسكو ما يزيد غير واحد سيت ستون دونك اون جينيرال يدينا الا راه باسكو الروال الحمد لله ديال الجزائريه دونك حنا لي جون يفيفو ان كوميونيتي اون فامي سي سكي بيان تو باسكو دار ليك يتسو فريمون لو تريتمون ينس ابري تو مي تكون دا شو كقرخني ياك ودا شو تديرونجي ندير لا بنيموني توسو توسو ثني ماشي توسو نورمال الا ديك الفلان و ام تحصل ام توحل وز ما بغيتي تسوبغل و ما بغيتي تسجل يا الناس سكيكي وتقرح ام كي خدمه صافوار وي وي سو سو سي فري سو سو سي سو سي لي تري جينونت il faut savoir que le connais le la par exemple les pneumologues on respecte la toux par respect dans le sens où c'est qu'elle doit contre la toux خطر عشان تفكروا الموضوع الا تفكروا واش اسمك راه خدمت دي تيزان الحاجه الحواس معاونين باسكو لو كان تفكروا يوم وموبيل ان سيرو باغ اكزومبل اون بيتي سي في الحاله فارماسيين في يد سيرو تي تي سي اسي بلوكي لا توكسيك اللي سيكولوجي اللي تشكل شي لا بيس نقص ديال ميتي من لوكال لا ميم با اكسبيكتوري سكيل اي سي دي باسيون كي ساغراف ابري même si c'est une semaine ça va mais ça s'aggrave donc en général c'est les pneumons on respecte ce sou mais bien c'est que doit ce d'ailleurs même après la différence ça on la respecte c'est les mêmes choses c'est que doit ce sou on se parle moins oui mais là une toux irritative par exemple un cancer oui ça va une toux irritative tout autre ce sou avec le hack même au morphinique on est plus calme quand c'est momentané ام سبيس زي فور اكزامبل زي بارفوا انت كيس هنا ديك تي كوي تي ديز انتي انفلاماتوار باش سي نوصل بس ملي سيرو اون ام با ترو لي سيرو فوتا لا ريفليكتي نعم نعم فوالا دونك ندير الحقا انا هذا موضوع دونك الحلاله وانا كونفيرمي بلي هي حلاله الا قدا كينا سوا استك لي زانتيبيوتيك سي لي جون لي بيان لي كوستو سوا تشكاف اون هوسبيتاليزاسيون لينا في لوبيتال بيان سور الى il aura une radio, on va comparer la première et la deuxième, il faut aussi attention d'autres choses, les maladies graves, par exemple, mais si ça doit être une pneumonie 2, 3, 4 jours après avoir été priorisée, dans ce cas-là, c'est par exemple une pneumonie qui se fait, mais si il a 4 jours avec l'arsenal dans la plèvre, il faut aussi de la kiné respiratoire, la kiné, c'est des mouvements, soit des mouvements, soit un petit appareil, ça se tourne dans la liste pour un peu pour drainer ce qui a dans le poumon unique, elle va là. Donc, mais la hypnoïsie, c'est ça. À mon avis, après, mais avec là, par exemple, on a d'autres antibiotiques, majeurs, plus on va suspecter d'autres germes, ça me choisit un peu plus rare, on peut penser après à la tuberculose, parce que le premier jour, c'est quand même la tuberculose. Parfois, on peut mettre la fibre en général, l'arbaïe, en fait, c'est un mot, ce qui s'est fait là. On fait une fibre. Parce que pourquoi? Parce qu'on récupère un peu les crachats et les profonds, on les analyse. J'ai dit, c'est quoi le germe? Et c'est-à-dire un antibiogramme. C'est quoi un antibiogramme? C'est qu'il teste plusieurs antibiotiques. Mais j'en fais un petit côté. Il utilise des antibiotiques qui sont efficaces, donc des guinamodénies. Tu peux pas le traiter à l'aveugle avec des preuves. En général, il y a aussi des obstacles. Par exemple, il y a un obstacle local dans le poumon inus, par exemple une tumeur ou autre chose. On découvre des choses en même temps que la pneumonie. Là, il y a aussi en cas de pneumonie, de souffle des abus, crash du sang, ou si il y a des blessés, des crashs, comme je suis avec des abus. Mais les sous-sortes, on peut tolérer, mais là, ça commence, c'est pour des vins rouges, des nerfs, une cuillère à café, une cuillère à soupe, un verre de tinage. Donc, ça devient une indication d'hospitalisation parce que ce qu'on appelle l'hémoptysie, c'est un symptôme qui est imprévisible. Alors, il peut s'aggraver rapidement et on ne peut même pas agir. لي غلرني بون دي فوا ملاي لي امداني سوبوردي دمن قرنس دقرح ني في قرح نسيتو الصوت ناغ الفلام لي غلن داخل لي غلرني دوي ذاك كي صوابن يكن ادي صوص حشم نا ديالي دمن وتقودنا راه طاس ام جاينا لي ميدزان فوالا وسيت دواراني كان بنيان بنا داك لي سي دي كراش خلط خلط دي دمن
Adina, c'est l'inflammation des bronchites, les trachéales, parce que les mêmes, c'est des amis, c'est une quantité quand même une quantité d'amis. C'est pas des crachats. D'ailleurs, on insiste, on connaît toujours les médecins. Est-ce que les crachats en microbone et des amis? Dans ce cas-là, Adina, en général, c'est des patients hospitalisés, il faut faire une fibro, il faut les surveiller. Et les glaires, mais même parce que pas ce que disent les glaires. Donc, est-ce que cette maladie est une complication générale? Les douleurs, ça dépend. Par exemple, un bronchite chronique, si on entend les douleurs, c'est tout à fait normal. Il y a quand même un syndrome de 1. De 2, on sait que c'est parfois des médicaments. Si on compare les bébés, on sait que c'est des médicaments ou c'est un jumeau à les douleurs. Sinon, la kiné respiratoire, parce qu'il y a aussi une dilatation de bronches. C'est des bronches dilatées, soit on a une infection, soit une LDS, l'aide des maladies qui associent par exemple stérilité et dilatation de bronches. Donc, oui, soit vite souffrir. C'est des gens qui ont passé des crachats, c'est des gens qui ont souffert des amènes, ils sont immunodéprimés beaucoup plus localement, genre l'immunité locale a diminué. La Guinée, c'est en général, c'est l'acné. C'est qu'il y a quelqu'un qui les aide, c'est un comme on respire, comme on dormit, comme on mange. Ou, quand il y a des soucis, il y a des soucis, il y a des soucis, il y a des soucis. خطر لنا فاس سبوك انت قراحتين تكوال تبوشين نزل ننزل وتعرض الميقو حد يفغ أثر غير داخل إلا قزم بليك الميقو بني أرج معنا داخل لو كانت جناك ما يقول Oui, il faut aussi dans l'aveu de Wilina, il faut boire à son atosboumène. Parce que même son atosboumène, la mucus elle est mieux hydratée, donc le mucus n'est pas les crachanières feront le mieux. C'est bien et pour la fièvre et pour les crachats. D'ailleurs, ce qui me permet de dire que la meilleure chose pour que nous soyons c'est que nous soyons atteints, atteints, atteints. Mais il faut la kiné, il faut faire la kiné. Voilà. 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 C'est une complication Oui, l'abcès, il y a deux choses. En général, c'est une complication. Si on a un pied ennemi, il est localisé. Il y aura le choix, c'est comme si un pied ennemi, c'est pas. Vous avez l'air, c'est comme si un kyste, c'est un risque le plus. L'abcès, il est primitif, sur lui, cette quintimère. Il est dans le cadre d'une suppuration. Par exemple, il y a la tuberculose déchimée. Il y a ce chemin. Donc, il y a très bien. Il y aura un kyste, il y aura l'absorbe. C'est une infection localisée. Par contre, la psy, ça a un problème qui fait des patients hospitalisés parce que la patiente peut parfois en général stimuler les médicaments, le chignon, ça de 1. De 2, c'est des patients qui ont une bactérie. De 3, c'est la durée d'antibiotiques. La psy, c'est de 4 à 6 semaines. Revers, elle se semaine, elle est les antibiotiques. Parfois, ça a quand même une intervention. Mais par exemple, les pneumonies chroniques, par exemple, la digestion, un peu de spinelle, la rhinocardiose, d'autres gens, il est moins des indications, je crois, c'est discuter vraiment. Mais la pleurésie, c'est aussi une infection de la fièvre. Logiquement, c'est souvent encore ce mix, soit c'est un drap, on met un drap en place. Soit, par exemple, la guidilzeille, il y a tout le monde qui travaille dans la chirurgie. Mais différent de ça, en général, la confirme il y a une infection du poumon, de la lèvre, une pleurite et puis il y a un puits. Soit c'est un puits, soit comme un germe, la guine, tu l'envoies directement à la chirurgie. Il a des pleuroscopies, une série de naisses dans la partie infective pour qu'elles ne viennent pas distiquer. Voilà. On prélève un peu, ça dépend de la disponibilité, beaucoup plus de Guinée, il y a plus de moyens que malheureusement, il n'y en a pas. Après, je voulais
les familles les antibiotiques. Parfois, il faut avoir une chose, que ce soit des gueuses, que ce soit une colère, mais si ou une hygiène antibiotique. Parce que l'hélaïver, pour eux, l'antibiotique, il prévient la complication. Par exemple, l'enfant, d'ailleurs, les pédiatres, les antibiotiques, ça a un hâte à mettre à la fibronie, parce que il y a un peu, si on est venu, il y a le corps est une lourde, il y a un traitement de résistance, c'est-à-dire pour l'amoxité, il y a un il faut savoir une chose, que les découvertes des antibiotiques, c'est ça. C'est quelque chose de très précieux là comme le hasard. Un pièce de hasard, c'est 15 ans, un pièce neuf qui augmente. Mais dès que la pharmacie, c'est une qui de la moxive qui l'augmente. À tout moment, on voit une série de qui l'augmente. Qui l'augmente? Qu'est-ce qui l'augmente? À tout soir, parce que bien sûr, quand elle m'a fait ce qui est on s'en fout, c'est toi, you buzz, you would, ça me disait, yeah, what sort of manage. C'est là où je me sens bien, à tout ça. Donc, cinquième jour, ça va, à tout moment, tu vois. Déjà, il faut savoir que je suis de deux chances d'antibiotiques. Les choses sont l'amoxicilline et l'augmentaire, parce que l'augmentaire est plus fort que l'amoxicilline. Donc, il y a un ali jusqu'à un antibiotique plus fort. Et parfois, le germe est tellement fort que tu sélectionnes une résistance à les antibiotiques. C'est pour ça que, d'avoir une chose, que ce soit un appel et pour les pharmacies et pour l'IVET, l'antibiotique, mais c'est paracétamol. Paracétamol est tout. L'antibiotique, c'est quelque chose de très, très précieux. Mais avec la soura, ou tu peux aller à la porte de Zichini. Mais avec la rachisoura, tu t'échines avec les infections, et comme Zichini, je parle de les infections, c'est grâce aux antibiotiques. Donc, il faut prendre soin des antibiotiques. Mais ça, c'est un peu de c'est à qui il faut l'antibiotique. Parce que finalement, je reçois la consultation, il n'y a pas d'antibiotiques. Elle a raté. Je fais un médecin, c'est tellement. Je vais donner un antibiotique, deux jours, trois jours. Je guide, mais oui, c'est mieux. Si ça vaut le coup, il faut qu'il y ait un antibiotique, tu vas. Vous n'allez même pas payer la consultation. Donc, moi, je vais avoir tout extra. Ça ne peut pas dire qu'il faut qu'il y ait un antibiotique. Non, mais tu vas avoir le cabinet, mais tu vas avoir un deuxième cabinet qui n'a pas des antibiotiques. Par exemple, premièrement, à mon un médecin soutient si que écoute là oui elle a son système les symptômes parce qu'il faut savoir une chose qu'à moi ben c'est de l'hélas non soit une semaine ou non ne vente pas chose que les gens qui disent il y a bon ça c'est entre parenthèses tu ne vas pas venir c'est que ça ne se passe que je vois les publications des Facebook c'est quel est le meilleur médecin dans telle région quel est le meilleur médecin dans telle région. Il faut savoir que tu penses français, c'est bien d'être. J'imagine que tu es américaine, ils n'ont pas cette chance-là. Rendez-vous chez nous. Ça ne va même pas. Les choses trouvées. Ils sont fixés à un rendez-vous chez un médecin spécialiste. Il faut savoir, par exemple, être à l'école de quelqu'un qui est pour avoir un rendez-vous pour te dire que ce n'est pas urgent, c'est en général 4 à 6 mois. Je le rendez-vous. Eh bien, bon, c'est bien, c'est moi, je suis malade, il y a des petites villes, il y a tellement de chances que l'on a tous les médecins, ça a leur chance d'être spécialiste, d'avoir un général. Donc, premièrement, quand je suis pour toi, il faut dire la vérité, la n'a pas. Deuxièmement, Sam, ce truc-là critique. Alors, il faut venir, on est dit quelqu'un, il dit quelqu'un, il dit l'antibiotique, alors, il faut venir, on est dit quelqu'un, il n'y a pas de facture, il y a des trucs, il y a des nécessaires, il faut venir, il y a des nécessaires du début d'asthme, alors qu'il n'y a pas un début d'asthme, il y a un asthme pour ce temps. Justement. Donc, l'asthme, c'est la pneumonie, c'est la pneumonie. La complication. C'est un exemple qui permet l'exigence de l'inorna. On a pas besoin de trouver ce qui est de l'asthme, de faire le sinus qui est de n'importe quoi. Alors, on a tout fini avec ce qui est de l'asthme, qui est un début d'asthme, sans quoi il y a. Mais en réalité, il n'y a pas de début d'asthme. Il y a un asthme. Après ce que je veux dire. Voilà. Est-ce que vous m'avez fait pour jouer par les thérapies? Quand on a fait une frayeur, لي ثيرابي الا كان اي ويدي تاع لابنيمونيا جينا تسعرات الو لو بروميير تريت لا ثيرابي سي سي بنيمونيا نعدني ني انفيكسيون فيرال باغ اكزومبل تقول ان غريب ان غريب سكون نقول بنيمونيا بون جينيرال تو سبيكاليز سي دي تابلو غارد باسكو سي نتفقال في
de gaz minime, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a rien du tout. Prenez la vitamine C, tchina, le jus, il a renforcé un peu le système immunitaire, il faut se reposer, du paracétamol, surtout pas ce poème. Et voilà. Mais avec les antibiotiques, il y a même les familles les antibiotiques qu'on donne le plus. Mais les chimères, c'est des antibiotiques. En général, les chimères, c'est un trop de traitement. Après, il y a un matériel plus comprenant des antibiotiques, mais soit il y a son paracétamol. Parce que son paracétamol, il a pratiquement oublié. Elle est extrêmement oubliée. Après, il y a l'antibiotique qui a agi, la bactérie, et le stress. Est-ce que le paracétamol qui a donné le donc, il dit que le marché sont carrément pas, c'est vrai, mais c'est pas le paracétamol, c'est le paracétamol. De la température ou bien sur le paracétamol. C'est un fou signe de bonne évolution. Rajoute la Voilà. différence entre l'oxygénothérapie et la code respiratoire thérapie, thérapie respiratoire. Tu vas dire l'intubation, peut-être. La thérapie respiratoire, des chutes, ou des chutes, la thérapie, l'oxygène. Alors, en Oui. général, la mort, il y a l'oxygène, mais c'est pas. En général, les gens, ils ont l'oxygène, on les hospitalise d'emblée, il n'y a pas besoin de prendre l'oxygène en fonction de la saturation qui se fait, qui exige un sujet jeune. Ni 96% de saturation, donc extrêmement d'oxygène, 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, mais c'est à la base. Soit, mais là, il est âgé, on n'est pas très exigeant, elle est à 92%, que là, déjà, qui est admis, on est bien. Donc, qu'est-ce que l'oxygène, à un moment donné, l'oxygène, il répond plus au courant de nuit, mais dans un cas grave de la pneumonie, les guinards, bien sûr, en général, on appelle les réanimateurs. Soit il y a de l'oxygène à très haut débit comme un petit flot, soit il y a de l'intubation. L'intubation, c'est une respiration artificielle. Ok, Anna. Là, les chances, malheureusement, de s'en sortir, elles ne sont pas très très élevées. Et heureusement, mais attention, c'est vraiment rare que l'intubation. L'un d'entre les médecins تعوض une pneumonie ادم دفكن زخم واذا كنت تداوين دخان خطر نشاطات مثل اكستريمين دي سبيطارات مرات روح تسخن مات ميت سفغن ادم دفكن ام تقرعت اتنفس صغر داخل الى قد سالي بلا بغني دا سوين سي دي زيكزارسيس اغلاق سي اون ثيرابي تخدم واحده من الدخان في الناس باكيني دا شوت باكيني ابي ريتسي باكيني سي ابي ريسبيراتوار فينا تم زوار القراح في سنة وصعد على الجهد إيوا كن التنفس الغر داخل ونوتني أم دقارة نلو كانو تسالي دا لبار نيدا ساون يتسمى وتحلي دارا ذا شو متلاق فين تجينا سي او فيت سي كوم سي نعاون لو بومون بور كيل ريسبير ميو il expire mieux pour qu'il récupère son état de base. Parce qu'en tout cas, un exemple. Attends, la saturation structure morine, tu dois faire 80, tu dois faire par exemple la 92%, tu dois revenir de ce secteur, des hadaras, des hadaras, des hadaras, et bien parfois, 100%, il est en train de respirer mieux. Tiens, c'est le même principe, on va mourir pour qu'il récupère sa capacité du bat. Ok, t'es guiné, dis vous t'es slept, semaine et adden, n'hadra d'ref sleep apnea, l'apnée du sommeil, امي اكزمر اموضين ادي عيوني ماني سيسكي تشكي سعى لابني دو سومي يرنا لابنموني سوفلا ودوكو الانترس نتاج Alors, il faut savoir une chose en général, oui, même l'appareil, la CPAP, quand les hospitalise, au contraire, ce qui est même l'appareil, au contraire, on est sur ça. Il faut savoir une chose, à son IA, qu'actuellement, par exemple, cette fois, des COVID, des infections en COVID, la PPC, elle a donné un très bon résultat. Certains de la réanimation, ça donne un très bon effet. Donc, logiquement, là, histoire au chinois dernier, j'ai tout le monde, il y a un plaisir. Donc, l'appareil, il est, c'est respirer bien.
Donc, il faut qu'est-ce qu'il vote. Au contraire, parfois, quand ça ne marche pas bien, dans les nalas, la dernière fois, la bipac. Tu vois, c'est une aide inspiratoire, est-ce que tu as un masque comme ça, tu ouvres les alvéoles, les primes de la religion, c'est un recrutement, on recrute d'autres alvéoles pour mieux respirer. C'est une étape aussi, ça ouvre, je vais mourir, c'est la hakara, la réanimation. Après, en général, les apnées, l'apnée de sommeil, tu vois, les pneumopathies, c'est pas le biais des comorbidités, la plupart du temps, c'est des gens obèses. Ils ont des infections, il y a des phobies, il n'a pas un facteur de risque. Une infection, mais là, il entretient bien le papillus. Les infections, les pneumonies. طونسيون دي بنيموني كيما يقول لك تزاميت الحاجه الروج ديكم ولا في المقرن اللي في الناطاس يخدم ان بنيموني ميم ان سو فوا لوجيكمون الا كنت نخدم في بوسكوبي ا ديستونس ميسي ينقص الشوغار باسكو ديما الحسيان تي ني دان كونسير دو بومون باس دي ريكومونداسيون ان غران فيمور كي في ان بنيموني alors là s'il fait un deuxième épisode de pneumopathie dès que ça se confirme. La pleurésie aussi purulente. Et là, quand tu penses, est-ce qu'il n'y a pas un cancer derrière? Je vois la mourine qui t'y a même, c'est pas tout le monde qui t'y a même. Donc, pour d'autres. Une pleurésie, c'est le cancer. C'est une immunodépression. C'est possible, ça. Il n'y a pas de mal une tumeur dans la branche. C'est un. Puis, bien sûr, elle est surinfectée. C'est de l'infection à la plèvre. Parce que c'est différent entre le poumon et la plèvre. Donc, ce qu'on appelle les pleurésies purulentes par contiguïté. C'est que là, l'infection, c'est un motif, il se déclenche le cancer, mais indirect. Il se déclenche le cancer. C'est-à-dire, comment aussi prévenir les infections? C'est la vaccination antigrippale. La vaccination anti-COVID, le dissection virale. La vaccination anti-pneumocoque. Le pneumocoque, c'est le germe le plus épidémique, la bactérie menstruelle la plus incriminée et le pneumopathie. Donc, mais le mobile. Il n'est pas comme dans les BPC, on a les asthmatiques, des nerfs, ils sont dans le chouïa. Ça, c'est un métier, un là, les insuffisants, par exemple, rénaux, les cardiopathes, les cancéraux, quand même, c'est la vaccination, pneumocoxique. C'est un vaccin, je travaillais, un autre vaccin deux mois après, et un rappel tous les 5 ans. C'est aussi de ça, la rate. Parce que la rate, c'est le plus. Disposer quand même des infections à pneumocoque. Donc la vaccination aussi, la vaccination à la rouge, la vaccination, les vaccinations à guérir, les enfants aussi, parce que les infections, donc c'est la vaccination qui prévient ça. L'arrêt du tabac, l'alcool, des facteurs de risque, mais au moins on peut agir plus. La perte du poids, après, mais le faire, je peux le faire, les et au moins la prévention en tant que citoyen musulman ne commet pas de tels. Voilà. Voilà. Donc, la pneumonie est longue, la pneumonie est grave. Des jours, une mère a de l'argent. Moi, les jours, il est le temps de guerre de crime. Mais il faut que nous devions définir les stades de la pneumonie. Sinon, nous devons ouvrir le collier ou la caranaguette, Artin, il faut savoir nous. Voilà. Alors, déjà, la pneumonie, c'est une maladie à prendre au sérieux. Pneumonie, je garde un exemple ici. Un plan de pneumonie, c'est juste pour dire que c'est une infection due à un microbe. Quand je dis microbe, c'est un peu, c'est vraiment vulgariser le mot germe. Après, de la dis, les virus, les bactéries, les germes, l'opportuniste, les parasites et tout. Donc, il ne faut pas la banaliser pour plusieurs raisons. Parce qu'il faut nous amener à la pneumonie. Il faut savoir une chose. Le poumon, le scanner, on va à la pneumonie. D'accord. Un examen clinique, il nous oriente et nous conseille. Un examen clinique, il nous oriente et confirme la pneumonie. Même ça, la pneumonie chorale, il faut la prendre au sérieux. Il faut un antibiotique, il faut un contrôle.
24-48 heures, est-ce qu'ils s'améliorent? Et il faut, le plus important, un contrôle radiologique à distance. Et là, un sujet, ça a une tache des poumons qui est due à, un, à une infection, ça doit disparaître. Est-ce que c'est d'autres questions? Est-ce que c'était vraiment une infection à un germe VAOS? Non. C'est une infection associée, possible. Par exemple, la toute fois, plus tu as la tuberculose, il descend, ça a une fièvre. Là, c'est une fièvre normale, mais là, c'est une fièvre augmentée, la amoxicilline, les macrolides, les valciprolons. Là, à un moment, tu as fait un moment donné, qui se tient là, ni, tu as fait un coup, ça se fait dans la tâche, ni. Mais comment est-ce qu'on tourne, tu as fait un coup, donc il faut poser des questions. Là, il y a rien derrière. Et aussi, par exemple, tu as des fibroses. Les fibroses, plusieurs fois, il y a son moment pour une infection, fièvre, une pneumopathie, qui cache une fibrose derrière. C'est pour ça que l'œuf, Nixan, a pneumopathie. Il a quand même une radio après. D'ailleurs, le dualisme en général. Il y a un moment donné, après la première prescription d'antibiotiques, 15 jours après, mais normalement, la radio, logiquement, prend du temps. Alors là, chez un sujet âgé, ça prend plus de temps. Un sujet jeune, en général, il récupère vite. Ça m'a fait la radio 20 jours. Moi, ça peut être la tâche de la main. Un sujet âgé, ça m'a fait la jusqu'à 4-6 semaines, parce que 6-8 semaines, ben, je connaissais la moto définitivement, on sera là. C'est un motif de révélation de trop maladies. Enfin, de découvrir d'autres maladies, par exemple, fusion, S6, soit par exemple la silicose, la dysmorphie, le sac de foyer, les traitements de et là, il y a des choses qui ont été faites absorbantes. C'est des réunions d'autres malheureusement, parce qu'on se protège. Et qui a fait des dégâts énormes, parfois entre l'infection, une suprême, ça a une silicose. Parce que la silicose est guinée, on va traiter sur nos problèmes sur les stéroïdes jusqu'à ce qu'on a des poumons pathologiques. Désolée, des choses de Nisleira. Ça, il a le diabète gestationnel, le cornéa et sa patte de fléouine, qui est utilisé stédite. Le dernier maternal pneumonia, la pneumonie de grossesse, mais il est maintenant stérile. Il dit que des fois, un enfant prématuré, mais là, où les gens étaient dans les chutes de la place, quand la marine se lève, soyez bien. Mais là, il est où un mec qui est Logiquement, une pneumonie, maintenant, dans la pneumonie, il faut faire un bac en inventaire. Parce que là, je vais aller à la marine, dans la marine, je vais aller à la marine. Si je ne pas faire une vague, je vais aller à la marine. Tu vois, tu vas aller à la hospitalisée. Ça va être le chose, bien sûr, chez certains. Donc en général, c'est plus probable. Ils ne restent pas malheureusement, la femme, les premiers mois de grossesse, peu de fièvre, malheureusement, ils ne restent pas un avorté rose, même une simple grippe, ils ne restent pas une grossesse arrêtée. Donc, mais même le dernier mois, en général, l'enfant est une pneumonie hémorragique. Donc, mais c'est une pneumonie simple, je dis bien simple, normalement, ça ne cause pas de problème. Mais avec quelque chose d'autre, pneumopathie, ça met pour la tuberculose et tout, c'est possible, ça donne d'autres, ça donne une fille sur l'enfant, notamment, mais ça l'annonce à la fille pour plusieurs jours, ou c'est à l'heure, ça donne à l'anorexie, la tuberculose, ça donne l'anorexie, la vie, c'est à l'heure. D'ailleurs, même si c'est pas capable de prendre le traitement, c'est des gens qui prennent du poids. Je suis encore enceinte, il y a une petite particularité, un dard, ça met être mieux. C'est que je ne travaille pas la radio. Un petit signe à finir sur la vie. Vraiment, la radio, on va se mettre à la plus grande salle. Admettez en tout, la vie. Mais la femme enceinte, mais après, en général, le premier mois, le deuxième mois, on évite vraiment. Le troisième mois, je ne travaille pas la radio, ils sont pauvres. Il faut, c'est tout un projet, c'est tout des ailleurs. Donc, il est déjà convaincu, peut-être. En dehors de la radio, il n'y a aucune examination de faire les radiations, mais c'est une chose. Donc, ça sera un peu plus de temps.
تقمع بركاز نصفي قناع تولي ديريكتومون كاين غاديو لو لا ميتنا او سيستم يميني تولي بليك ديريكتومون يا دي ريسك تاع لونفو اللي فاضا معذور نعاشو بون سي بلوتو فيلوجيك اللي تو غادا في الفان ميم سي فوا باس فوا اس اس موتو Après la femme enceinte, en elle-même, c'est une patiente, c'est-à-dire une femme qui est aussi l'immunité neuf-morose. Vous mettez un problème des infections, on dirait chez la femme enceinte, bien sûr, une tâche de tout dans autre chose, ce qu'on appelle les embolies pulmonaires. Parce que le terrain de grossesse, c'est un terrain, il favorise la stase, donc il favorise aussi les embolies. Il faut faire attention à ce qu'elle ne fait pas une embolie pulmonaire. C'est quand même, chez la femme enceinte, c'est des sujets qui pose des problèmes pour les médecins déjà. Ok, bien, c'est merci, Mimi, d'avoir dit أثني سوق نادي زيز دكتوريني هكا نعم في سكارنا في سكارنا الجزائر دخل مع الفوتينغ سفر جديدًا توكسيك مي فورمو جديدًا توكسيك انت تقولي لي ياك الدعوة ها كونتر بون دي با او موا بوردي لا كابي انت دورير تقدر شويه اللي راه عندها يلها يلها دروح نسادراري وكن ادوين الهواز دي نسينا اسنيني غيوف الحدر نيمان سن خطر لا بلوريزي عطاسيك استهزين بقس هادي تعيون لا بلوريزي كيني غالا ولاش ولا دوي داك ميكتاك الطبيب اسنيني اختار بيير ماري كوري اتخدم من لي زاناليز خطر دو كونسير دي تاوين لا بلوريزي نو ثنيا قناك ها ويا ورا غتحبس قناة حلوق اتخدم مع السبور بحلوق مدنك وغالب الطبيب D'ailleurs, il y a des tumeurs sonnées. D'ailleurs, il y a aussi le cas de Naoyo, qui est le cas de la vie de la vie de la considération du médecin des tumeurs. Je suis jeune, ça fait mal au cœur, c'est qu'il y a un peu de différence. Une fois de blé, qu'il y a un peu de les Algériens, le téléphone, c'est demandé dans la vie, il y a un Algérien, donc c'est un peu si dommage, parce que ce sera un artisan qui peut dire même un dernier an. Donc, si tu veux, il y a un peu de hasard à faire le sujet. Bien sûr, je ne dis pas que tous les médecins ils sont, mais il faut prendre toujours la majorité. La majorité, c'est que c'est des gens qui se sacrifient, c'est des gens qui sont mal payés, qui sont mal considérés. Dans la vérité, je ne parle pas des gens qui ont été mis à le parcours, le mahnan, le sarin, le fion, le snowboard, le hakner, le nain. Parce que quand on a des gens qui pensent à l'heure. Bien, merci. Je vais vous سنغيون اللي خدم غيد ستان اونكولوج يتداوي مضان من الكونسير ورك معنيغ يفوس يوسد نروح يا الكل نخدم خاطر خدم غيد سمكني مدنيغ اوديو سارا نستقصى ان دايلا يموت باش تينغان الكونسير طبيب من الكونسير يتداوي مضان الكونسير يموت في الكونسير ويزرى راي مانيت باللي كيتاع الكونسير اشوغر وكي زين فيك لا قد انا مسلاي خطر ولادي مش جايين سي مادم سن استهزاين لقمان سن الى قد استهزاين كبار على خطر ساعنا الوقت يرنا من الناس عندو الوقت خطر امي تفوس الله يشهد كي لا ميديسين سي با زان ميتي كوم تو لي زوتر ميتي سي ان ميتي كي تسوي اش 24 فرات تبي طرحها وتصحم وقبل في مرات الدنيا تلغي اي ديكسيون ديال التليفون تكون ديالي وتستفراري مانيش الحمد لله انا طبيب كي تخي نوبل Il faut savoir les choses, parfois on a pour
pour nous-mêmes, parce que la société, elle nous exige beaucoup. Après, nous disons, on dit, mais ça va, une personne qui s'appelle, on a tout, تنميت قرنت دكتور محل تنميت غفي سلمي دار بكير سلامة تصيد السفيدين الساقينين وضغا سياد تساود زرغة تساوي بحيث وسن وستعفوه وسنة دي ولا تمينية أسفر الدغال دي لهنا أن كمل المسلاي غف أين يعني أنا في الموضوع ميكا؟ إن شاء الله سونيا تكون صحة كل ما قلت في سلمان جسبر ونفاية اللغة لا 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 ل